Dieu est amour. On le répète encore, l'amour de Dieu n'a pas de fin, l'amour de Dieu n'a pas de limites, l'amour de Dieu n'a pas de mesure, l'amour de Dieu n'a pas de tonnage. L'amour de Dieu est amour parce que cet amour nous guérit, parce que cet amour nous délivre, parce que cet amour nous guide, parce que cet amour nous oriente. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide semblable. Ce ne sont pas mes paroles. Non, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est l'Éternel qui l'a dit. Mais si tu arrives quelque part et que cet amour n'est pas reçu, comment tu dois faire? Et si tu donnes cet amour et on ne l'accepte pas, comment tu dois faire? Cette aide-là, si on ne t'accepte pas, et si toi tu n'acceptes pas cette aide, comment tu dois faire? C'est la question que nous l'on se pose. Je sens qu'ensemble on va répondre à cette question. Si je suis l'aide de l'autre et que l'autre ne m'a pas reçu, comment je dois faire pour l'aider? Si je suis partenaire de l'autre et que l'autre ne me reçoit pas, il ne prend pas en considération mes idées, comment je dois faire? Si je suis coéquipier de l'autre, comment je dois faire? J'ai une mission. Tel que vous me voyez là, j'ai une mission. Non, je parle, c'est de vous. Ce n'est pas de moi, c'est de vous que je parle. Vous avez une mission. Tel que vous êtes là, vous avez une mission. Il y a des exploits que vous devez accomplir avec Dieu. Ne baissez pas le bras. N'arrêtez pas. Comment vous devez faire? Ça, c'est la question. Et par là, nous vous disons shalom. Que Dieu vous bénisse. Amoureux de Numérica TV, les instants Mungujo Chefou, une famille bénie, une famille de gloire, une famille de bonheur. À très bientôt, on se retrouve encore sur la même fréquence. Soyez grandement bénis, car Dieu est amour.